La crise environnementale que nous traversons peut se séparer en deux axes, le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Les deux sont liés et s'auto-alimentent. Le réchauffement climatique est principalement dû à l'accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. La perte de biodiversité, elle est en partie causée par le réchauffement climatique, mais aussi la pollution, l'urbanisation, la déforestation, la surexploitation des écosystèmes ou encore l'introduction des espèces invasives. L'atmosphère se réchauffe et entraîne donc notamment des conditions climatiques de plus en plus extrêmes ainsi que la fonte des glaces. La dégradation massive de la biodiversité induit la destruction des écosystèmes, donc une diminution des ressources naturelles, une dérégulation de l'équilibre environnemental, l'apparition de nouveaux pathogènes et une diminution du bien-être social ou culturel. Nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ceci en réduisant nos déplacements, en privilégiant les énergies renouvelables, en privilégiant l'alimentation durable, en réduisant notamment notre consommation de produits animaliers et en consommant localement. De plus, nous devons aussi préserver la biodiversité en favorisant la pêche et l'agriculture durable et en créant de plus vastes zones protégées. Mais nous devons aussi changer de mode de consommation en rentrant dans un processus de décroissance et en éduquant dès le plus jeune âge. En effet, il est important de se mobiliser ensemble afin de s'opposer aux grandes entreprises qui sont les seules à bénéficier de ce système. En votant notamment, afin de faire passer des lois qui privilégient le bien-être de notre planète, mais aussi en militant activement, en soutenant des ONG ou encore en informant son entourage.